LED ou DEL, diode électroluminescente, est un semi-conducteur dit passif qui s'éclaire lorsqu'il est traversé par un courant. Alors voici le symbole, avec une borne plus et une borne moins. La borne plus, on va l'appeler anode, et la cathode, c'est la borne moins. Alors pour les reconnaître, hop, du côté du méplat, lorsqu'on regarde là, il y a un méplat, ça désigne le côté, la patte de l'anode, de la cathode, pardon, de la borne moins. Et donc l'autre, c'est l'anode. Sinon, si elle n'est pas coupée, la patte la plus longue, hop, qu'on voit ici, c'est le plus, donc l'anode. Et la patte la plus petite, c'est la cathode. Elle s'éclaire lorsqu'elle est traversée par un courant de moins de 3 volts. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle peut aussi produire du courant. Si vous mettez la LED en plein soleil et que vous branchez un multimètre à chaque borne, vous allez mesurer sur une LED jaune 0,5 volts environ. J'ai fait l'expérience avec 3 LED jaunes branchées en parallèle et là je monte à 1,1 volts. Là avec cette LED transparente, j'ai 0,2 et avec deux LED, j'ai 0,6.